Et wesh les petits zoukas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'est parti! Eh gros, là c'est toi. Et wesh les potes, c'est Suka. Et wesh les potes, c'est Suka. On se retrouve aujourd'hui pour une... Et wesh les potes, c'est Suka. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence, les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poto. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que la vidéo sera vraiment géniale. Et si tu me découvres grâce à cette vidéo, voilà, abonne-toi en appuyant sur le gros bouton rouge et n'oublie surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti les potes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que nous allons passer une belle petite journée entre garçons avec Gary et Billy. Du coup, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Billy, c'est mon fils et Gary, c'est mon petit frère. Toi, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, c'est ultra important. Reste bien jusqu'à la fin et lâche ton gros pouce bleu. Et c'est parti, les potes. Ce que je vais faire pour commencer, c'est très simple. C'est que je vais aller chercher mon fils Billy. Ah, ben le voilà. Regardez, qu'est-ce qu'il fait encore, ce petit chenapan. Je ne sais pas. Pas, mais what? Il est passé où mon 7-up encore? Petit, pardon papa. Mais Billy, mais il est où mon setup là? Je le vois même plus là, il a disparu ou quoi? J'ai fait pipi dessus, alors j'ai appelé le technicien. Il est venu, il a dit c'était tout cassé. Il a voulu reprendre et j'ai dit ok. Voilà. Billy, Billy? Quoi? T'es en train de me dire que t'as pissé sur mon setup? Oui papa. Ok, ça c'est super. Bah ok, tu seras privé de play, tu seras privé de toutes les consoles du jeu du monde, ok? Ok, donc j'aurai un téléphone, merci. What? Ok les potes, franchement regardez, Billy a cassé tout mon setup, il a fait pipi dessus. Du coup voilà, je ne peux plus faire de vidéos sur Minecraft. Je ne sais pas comment je vais faire les amis. Voilà, je compte sur vous, vous tous les potes, tous les abonnés qui regardent cette vidéo. Dites moi dans les commentaires quelle punition je peux donner à Billy parce qu'il a cassé tout mon setup. Je l'avais payé 10 000 euros les potes, c'est incroyable. Et Billy, je te préviens, tu vas me rembourser mon setup mec hein. Je te le dis hein. Ah oui, avec quel argent papa? Bah avec quel argent, tu vas travailler comme tous les enfants. Ok? Quoi? Moi travailler? Non. Non. C'est toi qui dois travailler, papa. T'es tout le temps ici à la maison. Mais non, Billy, ça va. C'est grâce à qui, Billy, que t'as des nouveaux jouets? C'est grâce à qui que t'as un nouveau vélo? C'est grâce à qui que t'as une nouvelle cabane? À maman. À maman, oui, d'accord. Et puis quoi encore? Bon, les potes, Billy, oublie vite les choses, les potes, regardez. Je lui achète plein de trucs, il a complètement tout oublié. Par contre, Billy, t'aurais pas vu mon petit frère Gary par hasard? Ah oui, c'est vrai, papa. Regarde, papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, attends, je te suis. Viens voir, papa. D'accord, les potes, on va voir où il va m'emmener. Je ne sais pas du tout. Où tu m'emmènes, là, mon fils? Regarde. Oui. C'est ma cabane, on est d'accord. Oui, ma maison. Oui, les potes, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu sa maison, les potes, je l'avais présenté sur ma chaîne officielle Suka. Ça, c'est la grande cabane de mon fils. Elle est ultra stylée. Dites-moi votre note que vous la mettrez dans les commentaires. Et oui, Billy? Eh ben, du coup, Gary, il est jaloux de moi. Comment ça, il est jaloux? Regarde, il est juste en haut, là. Quoi? Je suis un singe. Quoi? Billy, t'entends là, là, papa. Il est où? Oui, j'ai là, papa. Oh, Gary, Gary, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je suis un singe. T'es un singe. Quoi? T'es un singe. Je suis un quoi? Est-ce que tu es un singe? Oui, je suis un singe. Mais descends, on s'entend plus. Mais non, je vais mourir si je saute. Mais je croyais que t'étais un singe, mec. Ok, bah je saute, ok. 3, 2... Ah! Oh! Oh, Gary, ça va, mec? Ah, j'ai mal. Ah oui, mon frère. Tu t'es un petit peu cassé les jambes, là, Gary, hein? Ah oui, ça. Ah oui. Oui, mais Gary, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais sur ce grand arbre, Gary? Bah, ça fait un petit moment que je commence à me comporter comme à bout. J'ai envie de devenir un singe. T'as envie de devenir un singe, mec? Et vivre dans les arbres, oui. Et manger des bananes toute la journée. Mais t'es sérieux là, Bou? Mais Gary, mais t'as déjà un singe, tu veux faire comme ton singe?
Mais oui, comme ça on est pareil. Ah, frère okay. Singe. D'accord, ok, ça marche le pote. Bon, je ne sais pas ce qui arrive à Gary les potes, mais bon, il veut devenir un singe comme son singe. Billy... Ouais, il est bête, hein, je t'avais dit. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, là il est vraiment bête, là, Gary, là. Je retourne dans mon arbre, hein. Ah, tu retournes dans ton arbre, en oui, plus. Oui, vas-y, va monter. Wow. Mais papa, il monte vite. Ah, mais il monte super vite, il monte comme un singe, d'accord. Mais attends, Billy, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, Billy? Oh, oui, si on allait construire une cabane dans les arbres, oui. Une cabane dans les arbres? Oui. Bah, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que oui, les potes, regardez, Gary risque de tomber et de se faire très très mal si un jour il monte sur un arbre et qu'il tombe. Voilà, il peut même perdre la vie. Hop. Oula, doucement, Gary, quand même, là. Oula, ok, doucement. Je vais s'accrocher à une branche. Ok, bah, tant mieux, tant mieux. Tu sais quoi, Billy? Les potes, ce qu'on va faire pour éviter que Gary se casse la figure en tombant d'un arbre, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que moi, Billy et Gary, on va construire une cabane pour Gary. Ça te dit, Billy? Ah oui, papa, je pense que Apo, il a eu une nouvelle livraison. À moins qu'on va pas chez Apo, je sais pas, papa. Non, je pense pas qu'on va passer chez Apo, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, et Apo, je pense pas qu'il travaille le dimanche. Ah oui, c'est vrai, oui, okay. Oui. Bah du coup, ah, Gary, tu sais... Oui. Moi et Billy, on avait pensé à un truc, d'accord? Tu sais... ton délire de singe ou je sais pas trop quoi, il nous fait un petit peu peur. Pour pas te mentir, il nous fait un petit peu peur. Ouais, désolé. Ah bah c'est gentil ça. Bah oui, Gary, tu sais que pas tout le monde veut devenir un singe dans cette terre, hein. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Mais ce moi c'est. Mais moi c'est mon rêve. Ah oui, ok, d'accord, c'est ton rêve. Bon, bah, on a pas les mêmes non, rêves. Non, c'est pas mon rêve, c'est mon rêve. Ok, d'accord, super. Oh bon, les potes, bon, Gary est un petit peu bizarre. Mais attends, tu sais quoi, Gary? Ce qu'on avait pensé avec Billy, c'est de te construire une cabane dans un arbre. Ah oui. Ça te dit? Oui, ok, les potes, il a l'air ultra partant. Par contre, quel arbre tu veux qu'on construise ta cabane? Cet arbre-là, il est pas très beau. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très très beau. Mais c'est le seul arbre qu'on a dans le jardin, alors oui, je suis là. C'est vrai que c'est le seul arbre qu'on a dans le jardin, bah vas-y. Ah non, il y a celui-là aussi, mais j'aime pas, il est mal placé. Ouais. Non, celui-là, comme ça, il est à côté de chez moi aussi. Ouais. Et comme ça, on pourra faire un passage, comme ça, là, flou. Ouais, on va faire un tunnel, un ascenseur et tout. What? Ah oui! Ok, du coup, les potes, regardez, Gary veut faire une cabane avec des ascenseurs et tout, mais bon, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera assez grand pour une cabane avec ascenseur, etc., Gary. Hein. Ah, sûrement, je pense. Ouais, on verra si Gary pourra modifier à l'avenir sa cabane. Du coup, ok. Bah vas-y, du coup, on commence à construire la cabane, les enfants. Ah oui, mais je sais pas si on a tous les matériaux. Bah si, non, t'en fais pas, je pense que dans mon grenier, on doit avoir tous les matériaux qu'il nous faut. Du coup, les potes, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que je vais aller récupérer tous les matériaux qu'on a besoin pour construire la cabane à mon petit frère. Du coup, les potes, on se retrouve à tout de suite. C'est bon, les petits potes, voilà, on a tout récupéré pour construire la cabane à Gary. Du coup, là, Gary, ça va? Tu t'en sors, là, pour l'instant? Oui, je suis en train de faire de la place et juste après, on va commencer à mettre les planches et tout par terre, ça va être chouette. Ouais, ça marche, d'accord. Bah, Gary, Billy, tu veux aider mon petit frère? Oui! Vas-y, ok, super. Vas-y, les potes, vous savez quoi, pendant qu'on y est, je vais les aider aussi. D'ailleurs, Gary, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une cabane en bois, un petit peu basique, ou une cabane un petit peu luxueuse? Comme Billy. Comme Billy? Oula, ça va coûter cher, ouais, là, papa. Ça va coûter cher. Et je ne pense pas qu'on aura la place, hein, Gary, tu sais. Bon, alors, on va juste faire une petite cabane en bois, tranquille, quoi. Ok, ça marche. Bah, vas-y, tu sais quoi? Je pense que la cabane qu'on va faire toute la taille de l'arbre, tu sais. Regarde, faites les contours comme ça, les oui, enfants. Génial. Nice, les potes, je pense que Gary aura une cabane vraiment gigantesque. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien voir comment on va la construire et comment elle va devenir à la fin, les potes, parce que je pense que sa cabane sera ultra stylée, les amis. Hop là, nice, voilà. Alors, la forme de la cabane... Bah, vas-y, attends, là, la cabane, elle a l'air... Elle commence à prendre forme, là, hein. Bah oui, j'ai une petite cabane carrée, hein, grand frère. Tu veux une cabane carrée, toi? Ah oui, mais tu sais, si jamais ça me plaît pas, on peut toujours changer. Bah oui, on peut toujours changer, mais sauf que moi, Gary, tu sais, j'ai des trucs à faire. Je peux pas construire la cabane toute la journée, tu sais.
Et ben moi j'ai rien à faire toutes les journées, je suis un glandeur. Ok, d'accord. Bon, les potes, Gary croit vraiment que j'ai que ça à faire de construire une cabane, hein, vraiment. Bon, c'est mon petit frère, c'est pour ça que je l'aide, mais faut pas exagérer. Alors, ok, pour l'instant on a fait une espèce de petite cabane. Par contre, elle est un petit peu trop carrée, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous Ah oui, je trouve aussi. Je pense qu'on va arrondir un peu. Ouais, on va l'arrondir un petit peu. Pour que, voilà, non, voilà, comme ça je pense que c'est good. Je pense que comme ça c'est ah, good. Oui. On va commencer à faire les bords, allez go, let's go, c'est parti. C'est parti, on va faire les petits bords, nice. Vous allez voir les potes, ça va rendre super bien. Ça va rendre super bien. Ok, nice et super. Ok, là pour l'instant les potes, on a le terraforming de la cabane. Les potes, là je pense qu'on va pouvoir faire un bon petit truc. C'est parti, les murs, tu les veux en quelle matière, Gary? Bah ça serait stylé si on met un peu de quartz. Un petit peu de quartz. Ouais. Billy, t'en penses quoi? Ça va bien ensemble. Ah oui, papa, c'est super chouette ça, le quartz. Ok, d'accord. Par contre, Billy, on t'entend pas assez, hein. C'est un petit peu bizarre, hein. Okay. Non. Ouais, oui. Ok, d'accord. Bah vas-y. Je me suis pas brossé les dents ce matin, c'est normal, papa. Ah, tu t'es pas brossé les dents, c'est pour ça que je sens une grosse odeur de dans ta bouche, hein. Oui. Ok, d'accord. Ok, bah vas-y, tu veux. Oh, tu veux tes murs en quartz, Gary? Ouais, c'est stylé. Mais rien, grand frère. Ici, c'est des murs en quartz et ici, on met des fenêtres. D'accord, ok, tu vas mettre des fenêtres. Du coup, on fait comme ça en gros. Hop là. Ouais, c'est ça. Non ? Ouais, ok, d'accord, ça marche. Ok, du coup, les potes, Gary, oula, par contre, Billy, là, tu me fais un petit peu de place là. Bouge ! Bouge ! Bouge, voilà, nice. Ok, nice. Du coup, les potes, regardez. Pardon. Gary a une petite idée de comment il veut sa cabane. Du coup, là, on verra si ça va bien rendre au final, hein, les potes. Parce que, bon, le quartz et le bois, ça se marie pas si bien que ça. On va voir comment ça rendra au final, hein. Nice. On fait ça, tranquille. Oh! Attends. Hop. Voilà, nice. Ouais, non, c'est pas trop convaincu, là. C'est... Ah ouais? T'es pas convaincu, là, tu trouves? Non, parce que dans le quartz on voit les lignes, c'est pas très joli. Ah, tu trouves pas très joli? Attends, je vais essayer un truc. Peut-être que comme ça rendrait mieux, hein. Ah ouais. Ça rendrait un petit peu mieux comme ça, là. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est joli. Ouais, ah oui, effectivement. Joli, ouais, carrément. Moi, je trouve ça stylé. Après, vous les potes, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à notre place et si vous trouvez la cabane pour l'instant stylée. Voilà, Billy, tu veux rajouter un petit truc? Et j'ai une question. Un toit, papa. Un toit. Il faut un toit, papa. Et les gars, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que si on met deux étages, serait stylé ou pas? Deux étages? Oui, enfin, non, je voulais pas dire deux étages, mais ça. Ouais. Plus encore un étage au-dessus. Ouais, ça pourrait être stylé, ça. Mais par contre, là, t'aurais une villa. Ce serait plus une cabane, ce serait une villa, là, carrément, hein. Ah bah... Bah vas-y, tu sais quoi? On pourra te faire un truc. Vas-y, tu sais quoi? T'as des échelles sur toi, Gary? Ah oui, ici. Okay. Ah non, papa, moi je voyais un autre truc. Ouais. Moi je voyais des escaliers comme ça en quartz. Des escaliers? Ah oui. Bah ok. Ah, par contre, l'entrée de la cabane, elle est où, les enfants? Parce qu'on l'a pas faite, hein. Attends. Ici, dans le sol. Attendez, on va voir. Là, papa. Je vais mettre les échelles. Ok, vas-y, mets les échelles. Ok, super. Du coup, l'entrée de la cabane est juste ici. C'est super. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, ok, bim. C'est plutôt stylé. Du coup, pour l'étage 2, vous voulez la faire où, les escaliers, du coup? Moi, je dirais que tu montes ici. Ah oui, là, papa, là. Ouais. Hop. Ah hop. Oui. Hop. Ok, super. Bah, vas-y, attends. Tu sais quoi, je vais juste faire ça. Hop, voilà, nice. Ok, du coup, là, les potes, tu auras l'étage 2 de la cabane à mon petit frère. C'est plutôt stylé. Bah, vas-y, les enfants, vous savez quoi? Commencez à faire l'étage 2, j'améliore l'étage 1, ok? Ok, ça va. C'est parti, les amis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de vitre pour faire les fenêtres. Voilà, parce que mon petit frère m'a dit qu'il voulait des petites fenêtres. Là, je pense que là, ça commence à devenir un petit peu stylé. Faudrait rajouter des petites décos. Du coup, comme déco, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre des petits blocs d'herbe. Alors, attendez, je vais prendre des petits blocs d'herbe ici. Nice. Je vais faire des petites décos, vous allez voir. Est-ce qu'il serait bien, grand frère, regarde, pour une déco, une télé. Quoi mais Gary? Mais c'est pas fini. Un piano. Mais Gary, mais c'est pas la télé que j'ai acheté ce matin, ça? Non, j'ai été chez Apu. Et je l'ai emprunté.
Ouais. Et ouais, et ça veut dire que là, si je vais dans le salon, la télé est toujours là. Oui. Ok, ça veut dire que je peux aller vérifier là. Oui, mais par contre, grand frère, ça c'est une télé que j'ai été prendre dans le magasin de Apu quand Apu n'était pas là. Alors, ah, ok, si ça veut dire que tu l'as volé, t'as volé chez Apu. Oh non, je l'ai emprunté. Ouais, oh, mais t'imagines si Apu tombe sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, mais je sais pas, il a 50 ans, il a sûrement pas YouTube, hein, grand frère. Ouais, bon, oh là là, les potes, Gary joue vraiment avec le feu. Il a volé un piano et une télé chez Apu, les potes. C'est incroyable, bon, j'espère qu'il ne verra pas cette vidéo, hein. Et surtout, les potes, dites pas dans les commentaires qu'on a volé une télé chez Apu, sinon il verra les commentaires et il lui criera dessus lors de la prochaine vidéo. Du coup, je compte sur vous, les potes. Je vais faire ça, je vais voir si c'est stylé. Hop là, nice. Par contre, attends, le piano, je vais le replacer juste après. Hop là, nice. Et je vais placer des feuilles de chêne. T'en penses quoi, Gary? Ah oui, ce serait beau. Grand frère, j'ai une question. Est-ce que t'as pas trop marre que je squatte la maison? Bah non, soit t'es mon petit frère quand même. Mais si tu veux, on peut aménager une petite cuisine ici. Et voilà. Ah mais puis quoi encore? Tu veux une chambre, un dressing, une salle à manger? Une salle de bain aussi. Aussi pendant qu'on y est, Gary. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça serait chouette. Bah oui, tu t'es cru où? Dans un hôtel. What, les potes? Ok. Du coup, les potes, bon, Gary, prends un petit peu la grosse tête. Tu veux un petit peu tout dans sa cabane. Mais pour l'instant, franchement, sa cabane est plutôt stylée. Bah, tu sais quoi, Gary? Si on a de la place, on pourrait te faire des salles plutôt stylées, d'accord? Ah oui. Ok. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a, ok? Genre, moi, j'avais pensé à ta télé de la mettre ici. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a assez de place. Attention, ça va tomber. Voilà. Ah, non, c'est bon, là. Nice. T'en penses quoi? Ah, c'est très joli. C'est très joli, hein? Alors, attends. Hop, là, on va faire ça. Nice. On va faire ça, du coup. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est très simple. C'est qu'on va pouvoir mettre des enceintes, Billy. Genre, des enceintes pour bien écouter le son de la télé et tout. Ah oui, pour regarder des dessins animés. Des dessins animés, exactement. Alors, attends, on va voir si... Ah oui, ok, c'est bon, ah je oui, ah oui, ah, c'est magnifique. Ah, ouais. Tu trouves ça stylé? Oui, okay. Mais on va mettre un petit peu des lampes pour l'éclairage. Oui, bien sûr, oui, mais des lampes, ça, c'est stylé. C'est le bleu. Ta couleur préférée, c'est le bleu? Oui. Ok, bah attends, tu sais quoi, je vais te mettre un canapé bleu clair, voilà. Un beau génial. Petit canapé bleu clair devant ta téloche. Voilà, tu pourras être bien le soir avec Billy, Eva, et tu pourras se t'amuser. Ouais, on va faire des soirées Netflix dans ma cabane. Ah bah ouais, j'imagine. Là, franchement, les potes, voilà, dites-nous, pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans l'étage 2, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, dans l'étage 2, il n'y a rien. Tu veux faire quoi ici, Gary? Ah ah! Qu'est-ce qu'il veut faire? On va voir qu'est-ce qu'il veut faire, le petit Gary. Ah ah! Qu'est-ce que tu veux faire? Une piscine! Une piscine! Ah ouais, pourquoi pas? Ça peut être stylé en vrai. Hein. Tu veux pas l'agrandir un petit peu, ta piscine, peut-être? Ça. Enfin, c'est pas non plus une piscine municipale, hein, grand frère. Ouais, c'est vrai, ok, d'accord. What? Ok, comment il me parle? Eh hey Gary, je te préviens, je suis quand même ton grand frère, hein. Tu me dois le respect, hein. Bien okay sûr. Oui, donc ton insolence, tu vas te calmer, hein, ok. Je ne jamais, grand frère. Voilà, je préfère, ouais. Ok, vas-y, ok, bon. Ah, ben voilà, là, t'aurais une plus grande piscine. Ah, oui. Voilà, et là, tu veux faire quoi? Tu veux faire une petite... un lit et tout? Non? Bah, ce serait un petit peu bizarre à côté de la piscine, mais... En soi, moi, tu sais, j'avais toujours rêvé d'avoir un lit et un jacuzzi juste à côté, tu vois. Puis on est faux plus nourri. Ah mais oui, ce serait bien parce que le matin, je me réveille. Et là, piscine! Ouais, direct! Et en plus, comme si c'était pas assez, dès que tu sors de ta cabane, Gary, regarde qu'est-ce qu'il y a. Il y a encore une piscine juste ici! Et juste là! Et juste là! Ah oui! Du coup, t'as le choix, hein? Ah oui, mais attends, mais quand même, vu de l'extérieur, ça fait quand même une grande cabane! Waouh! Ah, c'est stylé quand même, hein? C'est stylé! Mais oui, c'est stylé! Mais du moment que c'est stylé, c'est pas très grave que ce oui, soit c'est vrai grand que... ou ouais, petit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, par contre, Gary, tu devras. Je pense que tu devras fort remercier Billy parce que là, il est en train de te faire une jolie cabane, hein! Ah oui! Regarde-le, depuis tout à l'heure, il est en train de construire ta cabane. C'est mon meilleur ami, Billy. Ah bah oui, c'est ton meilleur ami, hein. Bah vas-y, va le remercier. Attends, Billy! Billy, viens. Ah, papa, coucou! Vas-y, rentre, on doit te dire quelque chose. Ah oui! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, la piscine. T'as vu, elle est stylée, la piscine, c'est Gary qui a eu l'idée. Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Voilà, ben vas-y, tu, comme ça, elle sort, tu pourras te baigner avec lui. Tu vois? Ah oui, mais j'ai aussi une piscine dans mon petit loft. Ah, toi aussi, dans ta cabane, t'as une piscine? Oui. Ok, d'accord, ok, pourquoi je peux te dire un truc, Billy. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais. Non, mais je tiens à dire que toi et Carlos, vous êtes mes deux meilleurs amis. Oh. On n'était pas censé être frères. Mais non, on n'est pas frères, t'es mon ami. Ah, ouais, oui, wouhou. Oui, allez. Ok, bon les potes, ok d'accord, Billy a une réaction vraiment pas épique du tout. Par contre, Gary est inquiète, hein. Billy il est un petit peu comme ça, il est un petit peu bizarre là. Ah oui, mais je sais, je l'ai remarqué dans tes vidéos, grand frère. Ah, il est un petit peu bizarre en ce moment les potes, je sais pas ce qu'il a le petit Billy. Mais bon, vas-y, je pense que la cabane là est bientôt finie là, t'en penses quoi Gary? Bah oui, c'est plutôt bien fini là. Ouais, tu penses qu'elle est finie la cabane? Mais je pense que il faut juste mettre... Mettre quoi? Des petites torches. Mais des petites torches, mais c'est déjà éclairé là, Gary, tu trouves pas? Bah oui, mais c'est pour donner un style plus lumineux. Un style plus lumineux, d'accord. Waouh. Wow. Il a pas beaucoup de cerveau, je pense, là-dedans. Ouais. Il est pas tout seul dans sa tête, c'est sûr. En tout cas, bon, les potes, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, franchement, notez la cabane dans les commentaires. Si je devrais donner une note... je pense qu'elle est encore à améliorer les potes, vous inquiétez pas, on va encore plus l'améliorer. Mais si je devrais noter la cabane, je lui donnerais une note de 7 sur 10. Voilà, c'est ma note personnelle. Dites-nous dans les commentaires votre note sur 10 sur la cabane de mon petit frère. Voilà, soyez pas trop méchants les potes, je compte sur vous. En tout cas, voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, lâche ton plus gros like. Abonne-toi si c'est pas encore fait pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, Billy et Gary. Ciao les potes.